Dans la précédente chronique, je vous ai parlé d'un fait réel, authentique, d'un fait qui s'est passé au tribunal, un fait qui continue de se passer, un fait tragique qui a amené un garçon qui avait trop bu, de 21 ans, a provoqué un accident qui a ruiné une famille. Le père est effondré, la mère devient folle parce qu'elle a perdu un de ses enfants d'une dizaine d'années et puis un autre, un bébé qui va être handicapé à vie. Je décris ce qui s'était passé au tribunal avec toute la bonne volonté du procureur qui descend même de son siège de procureur pour aller vers à la fois le coupable, le responsable de l'accident parce qu'il avait trop bu, et puis le papa de ses deux enfants et le mari de la femme qui devient folle. Il s'avance et il est entre les deux. Il essaye de faire quelque chose. Il voudrait peut-être qu'il se réconcilie parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il voudrait qu'il y ait un regard de la victime envers le coupable, le responsable. Il n'y a rien. Tout est gelé, tout est figé. C'est poignant. Il y a les trois juges qui vont statuer, mais il y a même le procureur qui dit à la victime, la décision du tribunal ne vous satisfera pas. Elle ne vous conviendra pas. Elle ne pansera aucune plaie. Elle ne réglera rien. Autrement dit, le procureur lui-même reconnaît que la décision de la justice avec la loi ne pourra pas panser les blessures, réparer, faire revenir à la vie cet enfant décédé, mort, et l'autre qui vivra avec un handicap. Et quant à la femme de cet homme qui va vers la folie, et cet homme lui-même brisé, sa vie est cassée, brisée, le procureur reconnaît. La décision du tribunal ne vous satisfera pas. Et je disais, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui manquait dans ce tribunal. C'était la grâce. La grâce, mais il n'y a pas de grâce au tribunal. Au tribunal, il y a la loi, mais il n'y a pas la grâce. Alors que faire? Comment sortir? Il y a une seule solution. Celle qui ne se trouve pas au tribunal et que le procureur lui-même reconnaît, c'est la grâce. Avec, bien sûr, contenu en elle, le pardon, la miséricorde. Toutes ces personnes vont vivre un peu comme un arbre, vous savez, qui est une partie de l'arbre qui est mort et l'autre partie qui est vivante et qui doit supporter la partie de l'arbre mort. Une partie morte. Ils ne seront jamais libres et ne seront jamais pleinement heureux. Il y aura toujours le souvenir, il y aura toujours cet événement qui va les marquer à vie. Ils sont marqués par cette situation, par ce qui s'est passé. C'est terrible. Alors, c'est à cet égard
que je me suis souvenu. Et vous qui êtes en train de m'écouter, peut-être entendez-vous aussi ce qui manque dans ce tribunal. Ce qui manque dans ce tribunal, je l'ai dit, c'est la grâce. Et son absence va tuer deux fois. Bien, l'enfant qui est mort, mais il y a aussi les personnes qui vont vivre et qui vont vivre meurtries et qui vont vivre avec la mort et qui seront mortes de bien d'espoir, de projets, tout ça c'est mort. L'absence de la grâce tue deux fois. Et je voudrais que vous vous souveniez de cela parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, de connaître la grâce de Dieu. C'est une bénédiction. Elle nous fait vivre et quand même tout serait mort, elle nous fait revivre. Et je vous invite vraiment à faire confiance dans la grâce de Dieu. Mais là, il faut la foi. Il faut la foi. C'est pas tout de dire oui, il y a la grâce, non. Il faut croire dans la grâce. Et si ce papa, avec sa tête entre les mains, avait simplement eu cette rencontre avec celui qui est la source de toute grâce, c'est-à-dire Jésus, ben tout se débloquait au tribunal. Tout se débloquait. Les paroles, il aurait regardé l'auteur de cette catastrophe. Il aurait pu dire des mots d'encouragement. Il aurait pu manifester sa paix. Il aurait apporté la vie. Mais il est là, enfermé. Et je ne le juge pas. Je constate simplement. Et je constate que quand la grâce manque, eh bien on est tué deux fois. Tu es déjà mort à cause de nos péchés, à cause de nos fautes. Et deuxièmement, mort à cause des conséquences aussi de notre faute et de nos fautes. Et Jésus est venu. Oui, il est venu et lui aussi passé par le tribunal. Un tribunal qui était inique, injuste, à tel point que Pilate s'en lave les mains. On dit, moi je ne vois rien de mal dans cet homme, mais puisque vous le voulez, et puis moi je tiens ma charge, je ne tiens pas à avoir de problème avec Rome, alors je vous le livre. C'était un jugement injuste. Mais il était conscient que son jugement était juste, mais on laisse faire, on laisse aller. Jésus a été jugé. Lui, le Fils de Dieu, sans péché, innocent, qui a fait du bien, envoyé par le Père. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Envoyé par Dieu pour nous faire connaître sa grâce. Pour nous faire connaître que si nous devions passer par le tribunal, son tribunal, il n'y a aucune chance pour nous. Nous sommes morts et remords. Mais son Fils s'est envoyé. Et son Fils vient justement pour nous dire « Dieu vous aime ». Et à cause de cet amour, sans aucune contrepartie, il vous aime, il vous fait grâce. Et avec cette grâce qu'il nous fait en Jésus-Christ, qui est la vie, qui,
qui apporte l'espérance, qui apporte la joie, et pas seulement la joie, je dirais, de l'éternité, mais la joie, eh bien, même sur terre, de pouvoir vivre avec ce drame, avec toutes les conséquences du péché. C'est extraordinaire. Et c'est pourquoi, chers amis, je voudrais lire avec vous dans Romains chapitre 5, verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, c'est-à-dire par Adam, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. La grâce de Dieu et le don de la grâce, c'est-à-dire Jésus-Christ. Voyez, dans ce tribunal, ce qui manquait, c'était la présence de Dieu. Et tous sentent qu'ils sont limités, même le procureur. Vous serez déçus, vous serez insatisfaits par le jugement, parce que nous ne pouvons pas juger autrement et nous ne pouvons pas faire mieux. Mais Jésus, l'envoyé de Dieu, est celui qui fait beaucoup mieux. Dieu fait beaucoup mieux. Il pardonne, il fait miséricorde, parce qu'il nous aime. Et tout change. Le tribunal de Dieu, c'est un tribunal de grâce, mais ce n'est pas un tribunal. Et chaque fois que quelqu'un se tourne vers le Seigneur, et confesse son péché, se repent, alors il est celui qui intervient et qui nous fait grâce au travers de son don précieux, Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour vous.